Nous même Info Total, nous c'est Info en résumé. Ou même qui peut abonner à Info Total, ou capable toujours faire ça à l'aide des petites vidéos qui montent à droite écran, qu'abord toute instruction pour capable abonner à Info Total, afin que pour capable joindre toute notification sur dernière vidéo que Info Total lui-même les publie. Je dis à nos vidéos, ça nous parle pas des cas des Timoun que ministère yo même yo quitté abandonné en Haïti. Nous connaissons ministère c'est une mission qui est venue en Haïti pour stabilisation en Haïti après que le président Jean-Bertrand Aristide ait quitté le pays, il a eu un coup d'État et les Nations Unies ont décidé de voir le ministère en Haïti. Et après 13 ans, mission Nations Unies a dit en Haïti, eh bien, il est arrivé à faire des timons avec des Haïtiennes. Comme ça, la mission a fini, le ministère a venu aller et timons a été abandonné en Haïti. Et à l'heure actuelle, il y a des jeunes femmes qui décident de porter plainte à l'ONU pour Timoun Sao qui a abandonné en Haïti. Après départ pour exil président Jean-Bertrand Aristide, résolution 1542 Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'établir mission des Nations Unies pour stabilisation en Haïti, ministre. C'est mission qui est plus longue que l'institution internationale là, puisque le ministre a passé 13 ans en Haïti. En Haïti, une centaine de Timoun abandonné par Cas Bleu Sanoué le ministre. Unis à nouveau confronté à un nouvel scandale sexuel en Haïti. Selon une étude qui menée par deux chercheuses pour site de conversation, gagne des centaines de haïtiennes qui gagnent des timoun qui gagnent pour papa Cas Bleu, ça nous est le ministre. C'est des timoun qui abandonné papa yo, et pour ça, y ont dizaine de femmes décidé porter plainte contre l'ONU. Dans l'été 2017 qui passait, hein, y ont équipe chercheuse qui t'a gagné dans tête Sabine Lee qui sortit dans l'université de Birmingham. Ak Suzanne Bartel qui sortit dans l'université Toronto, te gen chance interroger 2500 haïtiens environ sous rapport entre haïtiens yo ak ministère yo. C'est 10% nan moun yo te interrogé yo qui se yon total de 265 au total évoqué ka ti moun ki gen papa ki se personnel ministère yo qui kite ti moun yo abandonné. Faveur sexuelle pour manger. Toujours selon même enquête ça qui menée par chercheuse canadienne et britannique là, rapport sexuel qui était gagné entre jeunes femmes haïtiennes et ministère, c'est pas des rapports vraiment consentis. C'était plutôt des rapports qui était gagné pour avec besoin jeunes haïtiennes. Selon même étude ça, t'es gagné même des jeunes filles de 11 ans qui étaient arrivées agressées sexuellement par ministère. À noter que parmi toutes relations jeunes filles t'es gagné avec ministère, t'es gagné des relations qui étaient très évoluées. Par exemple, t'es gagné des jeunes filles qui t'es gagné famille qui t'es encouragé dans relation avec ministère. Problème yo toujours venu c'est après jeune femme nan enceinte et y abandonné par famille et personnel ministère. En 2004 et 2007, y a une enquête qui t'est menée par la société presse révélée qu'un viol qui t'est commis par ministère. Au moins 134 nan yo te exploité des timoun côté 414 nan yo te renvoyé dans pays yo sans vraiment yon enquête par la justice. En janvier 2018, Bureau des avocats internationaux qui c'est BAI qui basé en Haïti te décidé porter plainte devant tribunal en Haïti pour ka 10 timoun qui t'a semblé gagner comme papa des agents ministères. Même Bureau des avocats internationaux ça espérait fait pression sous l'ONU afin que yo gen des tests ADN qui ta doit faire pour Timoun Sayo, pour Timoun Sayo capable recevoir des pensions alimentaires qui viennent de papa yo.